1500 bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire du vinaigre parfumé aux fleurs de sureau. Donc pour ça, il nous faut un bocal, tout simple. Des 20 grammes de fleurs de sureau, c'est l'équivalent de 10 ombrelles de fleurs, où on enlève juste la grosse partie de queue. Et un litre de vinaigre, de vin. On peut forcer avec du vinaigre de j'ai un tour de mémoire, de cidre. Donc pour cela, donc on met les fleurs dans le bocal. Plus dans le bocal qu'à côté. C'est pas mal. Et on verse le litre de vinaigre sur les fleurs. La boucher et le mettre au soleil pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, on le filtre. Voilà. Amis de la restauration, je vous remercie. Et amusez-vous avec des vinaigres à faire vos vinaigres vous-même. Donc on peut le faire avec des fleurs, on peut le faire avec des fruits, des herbes. Même principe, vous laissez macérer une quinzaine de jours, soit au soleil, soit à l'intérieur, ça pose pas de problème. Pour tout ce qui est fruits, comme faire un vinaigre de framboise, vous prenez un vinaigre de vin, et vous mettez 200 g de, à peu près 200 g de framboise un peu tassée, et on laisse infuser au soleil pendant 15 jours aussi. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo et à bientôt.